Pauvre, t'as fait passer une bonne soirée à des escargots. Au nom de Dieu, j'ai une bosse. 450 000 euros alors que le mec n'a... Vous le faire montrer. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, ça donne ça. Et puis voilà, donc c'est du L. Et ce qui me fait vraiment le plus plaisir dans tout ça, c'est que je rentre dedans. Et ça aurait été auparavant, je serais comme ça limite. Je serais limite comme ça et puis voilà. En tout cas, c'est un cadeau qui me plaît bah, vraiment beaucoup. Je suis vraiment super content. Tu vois la... Wesh. J'arrive en détente. J'arrive en détente. Quoi? Il me reste 81 jours. Ah ouais. J'avoue, c'était tard ici, hein. Wow. Come on. Let's go outside. Go outside for what? We're gonna fight. De papa de stafouille, hein? Tu vas partir avec ton Livio là-bas, hein? Il avait quoi, Pépé? Eh? Il avait quoi? Une belle queue. Pépé. Elle est en pleine forme, oui, encore. Absolument rien, elle n'est pas malade. Si, j'ai mal au cul quand même. Tu m'as fait peur, toi. Je vais caguer, ma chérie. Que... Mais avant, tu n'étais pas coach. Hein? Avant, tu n'étais pas coach. Non. Mais pourquoi t'as mes bras? Pourquoi t'as des jambes comme ça? Hein? Monte, monte, monte. Oh. C'est la mode? Ah ouais? Ça s'appelle comment? Ah, ça s'appelle sans crème. Ouais. Le corps de la mec, le fait depuis tout à l'heure, il est vert. Voilà, il dort. C'est un suicide. Hé hey. C'est ce que je lui dis. Hé hey. Chef. Oui. Wesh, réveille-toi, ma gueule, depuis tout à l'heure, le feu, il est vert. Ah. 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 Oh, oh. Oh là là, coach fâché. Oh là là, coach. Oh là là, coach. Là, je me regarde chelou, je sais pas pourquoi. POV, j'ai découvert une technique. Au nom de Dieu, on a trouvé un glitch. Regardez. On n'en va que des coups de coude. Alors, regardez parce qu'on a eu. Regardez, on a eu tout ça comme pièce. La partie 2, encore, c'est encore tombé, clair. Vas-y, tiens. Tiens, téma. Voilà. Tiens, au nom de Dieu, frère. Voilà. Passe-moi une jambe, vas-y, fais. Mais avec la balle. Vas-y, prends la balle. Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, refais. Vas-y, fais. Non, c'est pas cool. Pourquoi là? Ça veut pas, frère. Bon. Mais bonjour. Ouais, bonjour, la pièce de 10 centimes, elle veut pas marcher depuis tout à l'heure. Ça fait 2 heures, on est là, monsieur. On va trouver une autre pièce. Bah, quoi, mais... Hey, j'ai mis 2,50€, comment je vais trouver une autre pièce? Eh ben, il manque 10 centimes. Oh, mais la pièce, elle veut pas être prise. Bah, il faut trouver une autre pièce. Je vais la trouver où? C'est pas dans votre portefeuille ou... J'ai que ça, il y a que des clochards dans la voiture. Mais tu peux rien faire. Dans la chatte à ta mère, on va la prendre, fils de pute, va. Ça permet pas
Bah ne... Bah tu me la trouves où la pièce? Ouvre la barrière, fils de pute! Qu'est-ce que tu me racontes là? Elle fait les bras là, elle est contrôlée. Ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe? Y'a pas de titre de transport ici là? Sortez les titres de transport s'il vous plaît, monsieur. Attendez, monsieur. Ah ouais. Il est dans ma chaussure. C'est une nouvelle plante ça. Vas-y, celui-là, c'est bon. Titre de transport? Non, mais en fait, moi, mon titre de transport il est dans ma chaussure en fait. Ah ouais? Mais toi, moi, je pue en fait. Pas de chaussettes en plus. Non, mais moi, je pue un peu des pieds, t'as pas de coup. Ouais, mais faut que je contrôle. Non mais moi je pue des pieds. Ah ouais, à ce point. Ouais. Vas-y, fais voir. Mais faut les sortir quand même. Ouais, ouais, voiture. On va vérifier. Non mais sors moi comme pas. Pauvre, ton chien est un monstre de 50 kg, mais a peur de toutes. Déjà, sa journée commence bien, monsieur a peur de descendre les escaliers. Juste parce qu'ils ne sont pas comme d'habitude. Passe par là, sur le côté de là. Et voilà que maintenant, il a peur de traverser le pont. Écoutez le chouiner s'être mouillé. Monsieur se frustre. Vu sous un autre angle. Je précise que les quatre autres chiens avec qui on était dont un chiot sont passés avant sans souci. Le problème n'était pas le grillage mais bien le fait qu'il voyait le vide en dessous. J'ai donc été obligé de le porter pour pouvoir avancer. Autant vous dire que j'ai bien galéré à soulever son gros poids. Heureusement, on a fini par y arriver. Eh les gars, au nom du contrôleur il est là, au nom du contrôleur il est là. Bonjour, présentation des types de transport s'il vous plaît. Bon. 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 Non! Non! Et sur la vie de ma mère, bro, tu fais pas ton match, je te baise. T'as compris? Tu vois ton fion? Je vais tout ouvrir, gros. T'as compris?